genre maintenant. Bonjour la VOD. Je te blâme un max pour sauver ta femme. Je sais. Mais en vrai, moi, j'ai du mal. Vous, vous êtes un peu plus des dégénérés. Bonsoir la VOD. On est sur Banishers. On continue. Et on est avec le chat. Qui peut vous dire des trucs là-haut. S'il a envie. Sinon, de toute façon, je vais cacher le chat. Parce que immersion, tout ça, tout ça. Salut VOD. Merci. Je sais plus trop où on en est. Enfin, si, je sais. Je sais où on était. Je sais pas ce qu'on devait faire. On explorait, je crois. Encore la VOD. Ça ne change rien pour toi. On avait... Ah oui, c'est ça. On avait découvert des zones où on pouvait pas être avec notre fantôme de femme. Notre femme fantôme. Dit comme ça, c'est bizarre. À cause de trucs qui les repoussaient. Hop là. Et du coup, c'était un peu la nouvelle mécanique qu'on avait eue, je crois. Attention, je vais couper le chat et immersion dans la VOD. Bon, il y a une mise à jour apparemment, enfin je pense. Ça a tout lagué au lancement. Et on est parti. On avait... Attendez, on était où sur la map? Ah oui, il y avait un point d'intérêt ici, qui était jaune. Ça a l'air important. J'aime trop le bruitage. Voilà, on était allé vers le sud. La map est assez grande finalement. En tout cas, elle a l'air assez grande puisqu'on a toute cette zone qui n'est pas découverte. Et on commence à découvrir, la zone du bas. On avait un truc à faire ici, c'est chasse aux sorcières, objectif chronique. Explorer les herses. Bon, et ben on va explorer. Je sais plus du tout ce qu'il fallait faire, mais je pense que explorer c'est pas mal. On avait exploré ici un petit peu, on avait chopé des trucs. Genre un coffre et tout. Et non. Je vais courir, voilà. Et aussi, là en dessous, il y avait un truc à récupérer dans la maison et on l'avait récupéré. Ça, j'avais fait ça vite fait. C'est ça, je vous ai ghost. Mais non, mais bon. Avoir un chat en permanence sur la VOD, c'est... Bon, voilà quoi. C'est pas nécessaire. Surtout vu ce que vous racontez. Non, je plaisante, ça va. Mais pour l'immersion, c'est mieux. Coffre verrouillé. Ah ben non, mais il y a un coffre verrouillé ici. Mais attendez, mais je l'avais... J'avais pas sauvegardé. Bah si, on avait eu un coffre ici. Mais c'est encore un autre truc à trouver. Coffre de fermier, coffre verrouillé. Mais il est pas du tout verrouillé, il est ouvert. Mais qu'est-ce que tu racontes, le jeu? Non, par contre, ça c'est chelou qui m'indique en permanence un truc que je dois ouvrir alors que bah il est ouvert. Ou alors c'est peut-être que c'est ça que ça veut dire vu qu'il est grisé. Bof. Mais quel intérêt de le faire encore apparaître. Bon, explorer les herses. C'est quoi des herses? Je peux aller là-bas? Oui, on va aller là-bas. Faut explorer un petit peu la zone de toute façon, trouver des points de TP, tout ça. Et puis là j'étais allée là-bas je crois. Et puis on verra après pour le reste. Même si mon but à moi c'est quand même de surtout regarder la quête principale. Mais en fait je pense que je pourrais pas parce que la difficulté du jeu augmente quand même. Terres agricoles découvertes. On en est où? Ah mais je vais dans la bonne direction, c'est cool. Bon sang, y a un navire là? Incroyable. Oh, cool! Et magnifique aussi. Ça va le son du jeu? Ouais, je vais essayer d'aller voir le point jaune, attention. Tout à fait. Des chasses fantômes. Ah, c'est là-bas, je le vois. C'est bon? Ah, y'en a un autre là. Fais appel à moi. Oui, bah 2 secondes! J'ai oublié la touche. Fais ça. Ah, il se protège. C'est ça que je peux viser.
mettre le son du jeu un peu plus fort. Moi j'aime bien. Ah ! La fête continue. Qu'est-ce que c'est au sol ? Il y a des sortes de serpents ? Sale bête hurlante. Mais lui, je peux l'avoir de 3 coups d'épée aussi. Ah mince, j'aurais dû switch. Tu vas te tirer, oui. C'est bien avec Anter. Les R, c'est pour crever les pneus. Il y avait ça en 1695. C'est vrai, c'est ça, les Hertz. Ça doit être autre chose. Unité de mesure de la fréquence des commentaires pertinents de Mario Link. Actuellement, la mesure est négative. Merci Mario Link. J'ai lu ça tellement premier degré. Un outil agricole pour retourner à la terre. Peut-être plus ça alors. Des chasses fantômes. Encore ? À toi de jouer. Bah tu le dis meuf, tu veux pas m'aider, hein? Tu le dis. Bon, j'ai compris. Ah mais c'est juste ici. C'est pile poil ici. Des chasses fantômes. Tu penses pouvoir te débrouiller seule? Ah bah oui, mais il faut que je trouve le chasse fantôme parce qu'il faut casser ça. Oh, je suis sûre que c'est en hauteur. C'est chiant, comment je fais? Je vais faire le tour. Les pics pour empaler les ennemis. D'accord. Les sortes de murailles ou de pièges. On appelle ça des herses aussi. Ok. C'est vrai que d'un simple coup d'œil, difficile de se rendre compte de l'influence du cauchemar ici. C'est un peu terne, mais c'est mignon. Attendez, si je vais par là, je vais où? J'y vais, ça va. C'est peut-être là où est le cachet le chasse fantôme. T'as senti ça? C'est tout proche. Ah ouais? J'ai pas senti. Ah si! Concrétion blême. Le pont est levé. Je me demande pourquoi. Pour empêcher les gens de sortir ou quelque chose d'entrer. Ça marche pas ? J'étais à fond. Mais du coup, le chasse fantôme qui m'emmerdait tout à l'heure. Mais non, mais avance s'il te plaît. Qui m'emmerdait tout à l'heure, en fait, je m'en suis vachement éloignée. Quelque chose de caché. Oui. Non, mais à tout le coup, son hauteur. Pas du tout. Non, mais alors, par contre, si c'est juste pour avoir le vide-poche de quelqu'un, ça m'intéresse pas. Des pièces de 8, des concrétions blêmes. Je sais même pas à quoi ça sert, les concrétions blêmes, mais ça a l'air d'être un truc dégueulasse. Je veux pas de ta concrétion. Surtout blême. La grande grille de fer pour protéger les portes des châteaux, c'est une grille, c'est une des herses aussi. Mais ouais, c'est ça en fait, les herses, ça veut tout dire et ça veut rien dire finalement. Tu fais quoi demain? Bah moi je herse, et toi? Ah, tu herses aussi? Ah, moi j'ai croisé herse la dernière fois, il avait plein de herses. Oh, ça herse fort. Je te le fais pas dire. Couille. Allez au hameau des herses. On a des herses. Je sais pas ce que c'est le hameau des herses. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux aller là et que je peux pas. Ah, faut peut-être passer par le petit chemin là. Tu niques le chasse fantôme, puis tu peux aller là.
C'est peut-être ça, ouais. Attention, des chasses fantômes. Je sais, hein. Mais j'ai déjà tué des trucs ici. Oh, comment ça saoule. C'est ça que je veux faire, c'est ça. Ah mais c'est pas, il est pas possédé, du coup c'est pourri. Je suis là, arrête. Non, ah non, non. Non mais deux secondes, j'étais en train de recharger. C'est toi compressé. J'aime pas les concrétions, mais je sais pas ce que c'est, alors j'aime pas. Quelqu'un de simple. Des chasses fantômes. Il va me falloir un coup de main. Bon, je veux m'en aller. Et ben là, il y a pas d'ennemis. Bah super. Tu y as le pers. De qui? Ouais, j'ai dû le faire moi-même. Chasse fantôme, c'est sûr qu'il est là. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Oui, non mais je veux casser des trucs. Ici. Je peux pas. Mais il est où le chasse fantôme? Ah, il est là, punaise, enfin. Me revoilà. Ah, enfin. Voilà, et là je peux faire ça. Et ça c'est un petite point de TP, c'est ça? Le vide. Ah non, c'est pour aller à travers le vide. Mais ça sert à quoi d'aller dans le vide? Concrètement. Ça a l'air utile en vrai, je vais le faire. Salut Raph. Voyage dans le vide. Mais j'ai pas tout à fait compris ce que ça m'apportait. Ça m'apporte des points d'XP, je crois juste. Tu enlarges tes attributs, ouais c'est ça. Ok. J'élargis tout. Bon, on va élargir hein. Les ennemis peuvent régénérer leurs points de vie. Ses pouvoirs d'Antea sont également accrus, elle inflige plus de dégâts. Est-ce qu'on en a oublié ? Affecté par la malveillance spectrale qui modifie les règles. En cas de... Chaque attaque augmente les dégâts réinitialisés en étant touché, d'accord. Mais qu'est-ce que je dois faire en fait ? Finalement. Ah, je peux pas aller là, apparemment. Essaie autre chose. Oh là, oui, c'est pourri. Ah, mais il est protégé, lui. Bon, c'est pas ouf non plus. Ah, je me fais tirer dessus. Celui-là est protégé. Attends, mais arrête de viser. C'est lui qu'il faut que je vise. Les emmerdes approchent. Ah, j'ai mal visé, ça dégoûte. Oh, il a tellement de... Mais ils ont tellement de vie. Attends, je suis level quoi, moi? Level 15, je suis level quoi? Ok, les balles, ils s'en foutent. Oui, bah... compliqué, tu sais. Ah, c'est dur. Mais il me fait trop mal, lui. Non mais rigole pas, tu vas mourir. Après, dans ce monde, la mort n'est pas très définitive. Ah, esquive. Qui protège chez lui. Mince, j'ai essayé de faire un changement parfait, ça a pas marché. Allez. Attention, j'en vois un autre.
Tu as une très bonne vue en TA. Notamment pour une morte. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, j'ai un ulti? Ah non, je suis protégée, c'est vrai. Bon, je tue un ennemi avec mon flingue, je crois. Ah! Il y a un boss. Mais faut que je les tue ou faut que j'explore? Ça le déglingue. Et ça c'est quoi ça, une boule? Je peux pas looter ça? Ah non, je suis encore en combat. Ah mais il y a un ennemi quelque part en fait, mais il est caché. Mais punaise, vraiment? Non mais à quel point t'es lâche pour aller aussi loin? Oh le campeur! Est-ce que ça me sert à quelque chose? Professionnel! Merci, mais je n'ai aucune idée de la finalité de tout ça. Oh, ça on le savait. Ça rapporte des herbes de concrétion. Ok. J'ai pas très envie. Herbes qu'on a oublié. Je pue de herbes! Ça me saoule les herbes! Je crois que j'aime pas ça les herbes, voilà! Je suis anti-herse, moi. Bon nickel, bon dodo. Et bonne semaine. Je ne suis pas anti-herse, mais je suis anti-herse. Barre-toi de la raid. Allez, fais ton pouvoir, punaise, mais faut que j'appuie tout le temps. Ce n'est pas encore terminé. Ah! Il est protégé. Ah, c'est lui là. C'est lui là. Dans ta mère. Ah, il est encore protégé. Mais j'ai esquivé pourtant. Ok, si je mets avec elle. Non, attends. Ça a l'air super. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a du jus autour là? Ah oui, c'est vrai, la vie régène. Faut que je trouve un truc avec lui, ça va être compliqué du tout, je suis en potion. Peut-être dans le dos. Ah! Peut-être en coupant. Faut que je quoi coupe. C'est pas fini. 1, 2, 3. Mince! J'ai essayé de faire un changement parfait, j'ai pris une popo à la place parce que ça a rien à voir en fait. Attends, lui, je le tue avec les flingues, comme ça, ça me protège. Ça marche pas du tout. Il est pas mort, pourquoi il est pas mort? Ah, il régène. Ah, je vis super mal en plus. Attends. Ok. Putain! Je voulais avoir un shield. Petit, c'est bon, j'ai un shield. Island. Ah, bah j'ai plus de shield. Comment que je change? C'est comment que je change? C'est Y, c'est Y. Ok, je fais Y. Fais ça s'il te plaît. Merci. Attends, attends. Est-ce voilà, qu'on en a j'ai un shield. Oui. Ah oui, j'en ai oublié le 1, 2, 3. Ah mais il y a lui là-haut. Mais lui il protège. Attends. Attends. Ah, j'arrive pas. Ok, c'est bon, il est plus protégé. Si, en fait. Ouais, c'est fait niquer. C'est nul. Il a un peu une fire. Ça marche pas bien le changement parfait. Esquive, 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 esquive pendant 20 minutes, il faut. Mais jamais je l'aurai! J'ai bien visé. Je suis là, bordel. Bah, viens, vas-y, fais des trucs, meuf. Ah, c'est super, merci, tu m'as trop aidé.
c'est trop dur. Plus tu tapes, plus tu fais mal. Bah j'essaye. Sauf que je prends trop cher en fait. Ça, si je pouvais toujours taper et ne jamais prendre un coup, je le ferais. Oh, je recommence à zéro. On reparle de toi chez Aurel. Ouais, non mais tu pars. Ça part d'une bonne intention, mais ça va me faire psychoter. Mais c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Ok, c'est y part. Est-ce qu'on en a oublié? Ils ne retiendront jamais la leçon. Ah, ils respawnent. Ouais, d'accord, ok. En même temps, je tire jamais dans la tête, alors que clairement... Clairement, c'est leur point faible. Mais bon, je suis à la manette, je me suis habituée à la manette, ça m'emmerde de passer à autre chose. Mais bon, je devrais... Ok, là on n'a pas pris un dégât, c'est bien. Professionnel. Merci en... Mais par contre, vraiment l'autre, je trouve que rien... Enfin, rien de ce que je faisais n'avait la moindre efficacité, donc je sais pas. Est-ce que... Ah non... Mais est-ce que je suis trop bas level? Quel level moi? 13, non, bah non, ça va. Mais qu'est-ce qui me manque? Bouge-toi, Red. Mais arrête de m'engueuler, meuf. Sale pourriture. Ouais. Attention, on l'a énervé. Ah ! Ouais, la tête, visez la tête. Au secours, j'ai pris un coup, c'est dommage. Bon, pas fou, hein. Hii, au secours. Oula, il résiste encore. Peut-être que je tue eux d'abord. Voilà, au moins j'ai un shield. Oh, il est dur, il a dû régénérer complètement. Ben oui, il a totalement régène. Joueur 2, petit Juju. Voilà les renforts. D'accord, nice. Allez, fais-le, sans coup, s'il te plaît. Je
parce qu'il me tire dessus derrière, mais bon, je peux pas... Ah oui, d'accord, c'est ça. Que je me réhabitue au clavier souris, ça va être chiant mais va vraiment falloir. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai tué des boss, c'est bien. C'est officiel. Merci. Oh, ça on le savait. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse d'autre. Je suis venu là pour... Ok. Il y a un truc ici. Il y a sa main qui a brillé. Ah ouais, d'accord. J'ai vu. Depuis ici? Non, c'est pas bon. Là, c'est pas mal. Faut que j'avance peut-être? Oui. Salut Brun Boa. Avec une croix et de quoi faire un bûcher. Mais ça se brûle pas les fantômes. Croix. Je pense pouvoir dégager un passage. Oui, allez. Ah c'est... Ah. Il est verrouillé. Pourquoi il est verrouillé? Ah, c'est celui d'abord, c'est ça? Bon. Je me suis trompée encore. Allez, LB. C'est ça. Ça va, petit brin boa? À part ça. Et là, je fais ça. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok, Siri. Voilà, et ensuite je retourne ici. Mais après, je vais où là? Je vais où? J'ai même pas rechargé parce que je suis une nouille. Attends. Ah, ils sont protégés, je crois. Peut-être pas. Continue. Ah ouais, c'est vrai que je peux faire ça, j'oublie. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Tiens, goûte-moi ça. J'avais pas vu ça. Oh, super. J'ai tout niqué la barrière. Qu'est-ce que je fais? Je pète un câble.
On est trop loin. Prends-toi. Non mais... Mais pourquoi il me dit de changer le jeu pour qu'au final, quand je change, il m'engueule. Je vise pas, je vise pas, je vise pas. C'est chiant. Je vais faire. Voilà. Je peux me protéger avec lui. Non, je vise pas dans la tête. Je sais pas esquiver là. Non. Oh non, faudrait que je recommence tout. Oh non. J'ai essayé au clavier. Oh waouh. Quel enfer. Bon, j'esquive. C'est contrôle pour viser. Oh, c'est chaud. Comment je fais pour esquiver? Parce que là, il fait des sauts. Sans esquive, je vais pas pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok. Comment il vise? Parce que si tu peux jamais viser, tu peux jamais... Ah, aide à la visée à la souris. C'est pas que je la veux, mais c'est surtout que du coup, il fera jamais des vraies esquives. Si j'ai pas d'aide à la visée, je comprends pas trop. Oh là là, ça va être long. Alors, il y a les pales, elles ont bien travaillé. Ouais, franchement, on a capturé des trucs bien. Toutes ces histoires pour qu'elle revienne de son côté alors qu'il suffit qu'il saute d'une falaise pour la rejoindre des basta. Pas faux. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Du coup, il va faire que des vieux sauts. Il va jamais faire des roulades. Tiens, comment je fais ça. Comment je peux lui faire des roulades? Ah non, c'est chiant. Parce que les roulades sont beaucoup moins efficaces. Non, je me trompe de touche. Je vais faire clic droit pour viser. Ah d'accord, étape. Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça. Ça, c'est clic droit. Ce n'est pas encore terminé. C'est C. Oh, ça le défonce. C'est quoi qui me fait mal? Attends, faut que j'en change. A. Non. Esquive. Ouais, du coup il fait des petits sauts alors qu'à la manette la même touche pour esquiver. Quand je vise, il fait des roulades, je sais pas. Peut-être pas en fait, je sais pas. Je sais pas. Bon, je vais rester au clavier souris. Sinon c'est trop chiant. Je sais pas quelle est l'interaction. Il est boss 50. Bon courage, mon bois. Ah, solo, ça doit pas être simple. Oh, tu ne devrais pas rester là. Attends. Et en voilà d'autres. Oh. Il te prend pour cible. Tiens, déconné. Okay.
Rappelle-moi si tu as besoin. Je me trompe de touche, mais du coup, ça me fait tester les nouveaux trucs. Un vandale enragé ? Ah, ça craint ça. C'est terminé. Je suis là, je peux t'aider. Je sais plus comment changer. Si, comme ça. F. Ok. Non. Fais gaffe. Non, ça l'a pas tué. Ça pour ça. Au secours, au secours, au secours, je m'en vais. Non, vis, s'il te plaît. Voilà. Prends ça, cadeau. Attends, il a fait un saut tout à l'heure quand j'ai couru. Non, ça n'a pas trop marché. J'attends ton signal. Ta gueule ! Putain ! Il a la barre de vie vide ! Au secours ! J'ai plus de vie. J'ai plus rien. C'était où ? C'était où ? C'était ça, ça... Et après faut faire des trucs là-haut. Ça va être compliqué à faire tout ça ! J'ai jamais de point de... J'ai jamais de checkpoint. Et je suis en normal, hein? Ouais, on a été soft hier, on a arrêté vers 3h30. Comme ça, j'ai pu me coucher plus tôt et pas du tout dormir. Mais bon, j'ai pu me lever plus tôt quand même. Même si c'est un bien grand mot, tôt. Non, faut pas que j'aille là, faut que je fasse ça. J'ai confiance. Allez, les touches sont compliquées. Au clavier. Enfin, c'est très instinctif à la manette, mais là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Allô, aide-moi. Ça. Allez, on y va. Détruire 300 éléments destructibles. J'ai eu ça comme succès. Un petit checkpoint. Non bah non. Non bah faut que ce soit la fin. Salut Teru. Le fait de pas avoir espace pour sauter par exemple, c'est très perturbant. Et ça c'est C. Ce n'est pas encore terminé. Cinq ennemis avec un tir de fusil. Tu as un point faible. Bah, c'est clair que la vie souris, c'est un peu plus simple.
Par contre, ça c'est chiant. Je sais plus comment esquiver. C'est espace. Putain, espace, c'est horrible. Ok. Je vais pas faire ça du tout. C'est quoi ce cri? D'accord. Je fais appel à toi et je vais faire ça et je vais faire. Je fais ça. Ça, je fais ça. Parce que tu saoules, toi. Et ensuite, je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Je skiffe pendant 20 minutes le temps de trouver les touches. Voilà. Ok. Allez, super. Allez, dégage. J'ai récupéré une popo. Serait-ce pas totalement le moment de l'utiliser, si bien sûr. Ce serait pas totalement le moment de recharger aussi. Voilà. On avance, hein. Mais c'est pas si facile. C'est juste qu'il y a une bague. Ça gaze, ça galère en vrai. Et vous? Faites quoi là? Vous galérez de manière globale ou ça va? Moi, de manière globale, un peu, hein. En plus, c'est un truc qui n'est pas du tout ma quête, hein. Tu voudrais dire, Scamback, que tu te prends des vents? Ah ouais, mais ça, c'est stylé, mais je sais pas comment le faire. Oh, ça. Je sais même pas ce qui me tire dessus. C'est compliqué. C'est compliqué. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Au secours, au secours, au secours, au secours. Ouais, tu seras de tout libre, enfoiré. Esquive. J'esquive. J'esquive super. Qu'est-ce qu'il faut que j'esquive en fait? Non mais trop de vie? Ok, attends, attends, attends. Et si je fais ça? 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 Et ça? Et ça? Ah merde. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Oula! Y'a plus de vie! Ça arrive! Oh, j'ai pas eu la protection. Oh, je cours, je m'en fous. De toute façon, je crois qu'il despawn, respawn, tout ça, tout ça. J'arrive pas. Non, je vais mourir maintenant. Trop chiant. Non mais, c'est très dur. Oh merde, j'avais pas vu. Je vois pas lui. C'est trop dur. C'est éternel, ça n'arrête jamais, j'en peux plus. Je suis sur Hearthstone. J'ai bientôt tilt. Oh là là. Et on recommence tout. Non mais j'ai fait en normal exprès pour pas avoir à me taper des heures et des heures de combat de merde. Ça me saoule. Faut vraiment se mettre en narratif pour pas avoir toute cette galère.
Ok. Est-ce qu'on en a oublié? Softlock. Nice. Je ne sais pas. Change de tactique. Ça saoule. Oh, ça saoule. Ce que je me prends. J'ai envie de recommencer déjà. Parce que je cherche les touches. En fait, j'ai envie de faire clic droit pour viser, mais c'est pas clic droit. Dégage-toi. Tiens, prends-toi ça, toi. Putain, je prends déjà une popo. Souvenir des Highlands. Le message, j'aimerais comprendre comment je le déclenche. Allez, dégage. Ouais, mais le problème du Robin, c'est que j'avais déjà eu le souci sur Elden Ring. C'est que, bah, il y a des touches, tu sais pas où les placer. Ah, c'est pas fini? Ah, si, c'est eux. Il y a des actions, tu sais pas où les placer. Moi, j'ai. Et du coup, j'avais fini par tout Robin, et j'avoue que j'ai pas envie de me prendre encore la tête des heures. Mince, je regardais pas. Petit souvenir des Highlands. Beaucoup plus rapide celui-là. Tiens, goûte-moi ça. Speedrun, on speedrun. Qui en aime le jeu et la souffrance? Ah, pas du tout, hein. Ah non. C'est, je suis pas joueuse de Souls et de jeux tryhard. J'ai fait Elden Ring déjà beaucoup. Ça m'a suffi. Non, non, non. Moi, j'ai pas besoin de me prouver quelque chose à moi-même. Hein. J'aime juste le jeu où juste c'est bien. Les doigts dans le nez. Et des bonnes manières, alors. Rêver. Bon, après on a ce fight là, puis le dernier. Mais le dernier, tu mets en facile ou narratif? Mais y a pas de facile, c'est forcément narratif. Mais du coup, bah je sais pas à quel point le gameplay de base est amputé si on met que en narratif, quoi. Je peux t'aider. Ce n'est pas encore terminé. Attention ! M'écris pas, madame.
créature. Trop chiant ce truc. Allez, prends, j'ai fait F s'il te plaît. Putain. Je suis là, tu sais. Ok. Bon, dernier fight. Je commence à m'habituer un peu aux touches. Le dernier. Moi, je veux de l'histoire. J'aime bien, moi. Je sais pas à combien je suis au niveau popo. Je sais pas trop comment savoir, je le vois pas. Mais j'aime bien que la chute des soit épurée. La TH. 3 popo, mais je suis pas full. Oh oui. Merde. On est vraiment obligé de libérer ce machin. Hii, je cours pourtant. Attention. Mais quand j'esquive, j'ai plus lentement que quand je cours. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, trop pourri. Oh, c'est pas dingue. Merci, hein, c'est gentil. Je suis coincé. Oh non, mais je vois même pas. C'est chaud. Non, non, j'arrive pas. J'arrive à rien. Non, esquive. Esquive. Cours. Il est où? Ah, il est pas là. Ah, il est là. Il est temps d'éliminer cette monstruosité. C'est quoi? Comment qu'on fait? Infection. Ah! Esquive. Esquive. Plus 3 à tous mes attributs. Oh, j'ai tellement enlarge my attributes. Ouais, je m'en vais tellement d'ici. Ça, c'est officiel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le sait. Professionnel. Merci. Bouffez tous, c'est la plus forte. Il y a narratif facile, normal, difficile. Non, il y a narratif normal, difficile. Je vous garantis qu'il n'y en a que 4. Let's go, merci. Oh, la pluie de GG, merci. Merci. Bon, bah, je l'ai fait. Bon, clavier souris, c'est quand même mieux. Troisième œil, qu'est-ce que c'est du stuf. Bon, bah, voilà. Au moins, on a fait un truc important. Coffre Mozi. Il est verrouillé. Mais c'est pas ce que je viens d'ouvrir? Non, bah non. Ok. Non mais, je veux me déplacer sur la map, mais je vois pas comment. Pas comme ça, tout simplement. J'ai l'habitude de le faire avec la souris. Ah du coup, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Ah mais ça c'est des trucs en boucle. Je peux pas le refaire. Ah, faut que j'aille là-bas. Ah c'est là-bas les herbes. Mais c'est si loin en fait. Épée. Bon bah je vais tester ça. Je pense qu'il faut que je pexe un peu. Je vais aller dans un point d'intérêt. Après j'essaierai d'avancer un peu. Mais du coup, le jeu me demande d'aller vachement loin, alors que j'ai l'impression que je dois faire plein de trucs avant, mais sans savoir ce que c'est. Sayonakurumi, comment vas-tu? Ça va.
Je viens de niquer des fantômes. Alors je vais bien. Faut que je fasse un changement parfait quand j'ai mon truc qui brille, mais... Mais qu'est-ce que c'est ça? Attends. 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 Voilà. Allez, dégage. Ah mais j'y étais déjà allée là-bas. J'avais... Enfin, c'était déjà allée. J'avais pas réussi à aller, je crois. Oh, qu'est-ce que tu fais là, chérie? Oui? Faut que je prenne ça? Il y a un truc qui la perturbe pour qu'elle soit comme ça, non? J'essaye de comprendre son langage non-verbal. Du loot. Je vais chercher même si c'est des trucs probablement un peu inutiles. Genre des fibres translucides. Et des pièces de huit. Et des orties. Je suis plus orties. Oh, peut-être que j'aille là plutôt. Faut que j'aille où? Oui, ça a l'air d'être là. Tout doux, tout doux. Mais je m'en éloigne. Ah, ok, il y a ça. Non. Allez, on y va. Allez, on y va. On dirait vraiment Siri, quoi. Allez, on y va. C'est maintenant. Bravo. Bon, bah, au moins, je découvre des trucs, hein. Je sais pas si je vais dans la bonne direction. Ça a l'air, quand même. Je vais être obligée de me retaper tout ça quand je vais repartir. J'espère pas, hein. Tu sais, pour trouver trois orties et deux bouts de cuir, je m'en fous un peu, hein. Waouh. Prends ça, cadeau. Comment t'as défoncé? Attends. Ah, c'est à l'autre que je voulais le faire. Attends. Moi aussi, je veux m'amuser. Suis ma voix. Les fibres translucides, super. Ah, j'avais une clé à utiliser. Et j'ai eu nez des arbres, mais pas l'appendice nasal. Oh, mais attendez, je crois que c'est là, c'est un endroit où je peux me reposer. Oui, c'est là. On va pouvoir utiliser du loot qu'on a pécho. Enfin, l'utiliser, le mettre, quoi, l'équiper. Ok. Inventaire. Je peux améliorer mon flingue, je le fais tellement. Peut-être qu'on pourra en avoir un meilleur plus tard, mais pour le moment, je... Ah oui, d'accord, ça va jusque là. Super. Mais j'ai eu d'autres loot. Le bracelet. Mais comment je sais lequel est mieux? Comment je sais ce qui est le mieux? C'est chiant, j'arrive pas à comparer vu que je peux améliorer les trucs. Ça par exemple, j'ai eu un truc. J'ai eu ça. Vitalité, j'en ai un peu moins. Mais plus de colère, de persistance, moins de vie, mais plus d'esprit. Je sais pas à quoi ça correspond toutes ces stats. Je vous jure, ça m'angoisse. J'aimerais bien une popo bien. Oh, elle a l'air bien celle-là. Moins de force et de dexté, mais elle est violette, ma popo, elle est forcément bien. Vas-y, je la prends.
118 de vita au lieu de 96. Persistance 114 au lieu de 142. Bon, j'imagine que dans le global, celle-là est mieux. Je sais pas. Je vais l'améliorer, on va voir. Merde. Et en vrai, elle a l'air pas si mieux, hein. Elle est améliorée au niveau 6, l'autre est au niveau 3. J'ai l'impression de pas y gagner beaucoup. Faut quand même la mettre, je me fais chier à la loot. Mais c'est pas clair. Broche, j'en ai pas d'autre. Bracelet, du coup j'en ai un autre. Il est bleu. C'est bien bleu, non? Bah non. Bon, j'ai amélioré celui que j'ai déjà. J'ai l'impression que je me fais arnaquer sinon. Ça. Mais faudrait que je puisse comparer avec les stats de base. C'est chiant de comparer. Oh, mais ça, attendez, niveau 1, elles sont mieux. Second souffle. Ah ouais, elles ont l'air bien mieux. Et ça. Oh, mais attendez, si je les améliore, celles-là. Ouais, ça a l'air mieux. Bon bah je prends ces armes là. J'avais pas de nouveaux flingues. Oh, putain, j'ai d'autres flingues. J'avais pas. Oh. Colère, je passe de 26 à 15. Mais ça correspond à quoi la colère? Enfin je veux dire dans le jeu. En vrai il a l'air mieux celui-là. Il y a celui-là aussi. Attends, augmente de 100% les dégâts au fusil contre les ennemis blessés. Augmente de 20% les dégâts au tir au fusil sur les points faibles. Ah, oh, c'est bien les points faibles en vrai. 33 de dégâts. 37. 14 de vantés à la limite de la persistance. Fiskane. Tu as juste à passer ton curseur sur la statistique en haut à droite. Ok. Augmente les dégâts de manifestation. Ah ouais, mais... Je voudrais pas faire un mauvais jeu de mots sur les manifs, mais je sais toujours pas à quoi ça correspond, ça. Point de vie de raid, là, par exemple, c'est mieux. Et on peut pas comparer au niveau 1, deux armes. Ce serait cool. Chaque tir sur un point faible augmente de 40% des dégâts du fusil. Cet effet peut être cumulé sur initialisé après un tir manqué. En même temps, eh, franchement, 20% sur des points faibles, c'est mieux que 100% sur les ennemis blessés. Ou pas. J'essaie de viser les points faibles maintenant que je suis clavier souris. Tu vas te coucher, Moglobinda? Tu fais du camping? Bonne nuit. Ça me saoule de devoir améliorer un truc pour savoir s'il est bien. 5% des dégâts supplémentaires. Augmente de 25% des dégâts infligés par aider en TA aux ennemis blessés, mais réduit de 90% contre les ennemis et en intégralité leur point de vie. Non mais faut pas déconner, c'est pourri. Élimine les ennemis avec une attaque au point, restaure 20 points d'esprit. Faudrait pouvoir comparer au niveau 1, sinon t'es obligé d'utiliser des compos pour les améliorer pour te rendre compte qu'en fait tu es amélioré pour rien ton truc. La jauge de points d'esprit est remplie. Plus la jauge d'esprit est remplie, plus les dégâts d'Antea sont augmentés. Et ça c'est réduit de 5% les dégâts subis. 5% c'est très peu. Peut-être prendre ça moi. Maximum de points d'esprit dentaire augmenté par la résistance et les hôtels. C'est quoi les points d'esprit? Ah! Ok. Bon, bah je sais pas. Je vais laisser comme ça. C'est pas très clair. Hein. J'aime pas quand les jeux ils se donnent un genre à la Souls. J'aime bien quand c'est simple. Ok. Évolution. La jauge de points de vie des ennemis remplis, puis les dégâts de bannissement sont augmentés.
peut être bien ça. Lorsque la jauge d'esprit est pleine, les attaques devraient être réduites de 15% le temps de rechargement des manifestations. Je sais pas trop ce que c'est ça. Bannir un ennemi restaure 20% de points de vie mais réduit de 25% gain de points de bannissement. Monter les dégâts. Infliger les dégâts à un ennemi avec un fusil. Avec Antea recharge le fusil, pardon. Les tirs au fusil réussis rechargent la jauge de bannissement de 15%. Les tirs au fusil sur les points faibles rechargent de 30%. Réduit de 50% les dégâts de tir au fusil sur les points faibles. Non mais non. Ah c'est Antea, juste après une parade, vas-y c'est bon, ça m'a saoulé. Je fais pas de parade, j'esquive. Quoique maintenant c'est peut-être mieux, depuis que je suis au clavier souris c'est peut-être mieux la parade. Quatrième attaque lourde, déclenche une attaque au point qui ignore la résistance de l'ennemi. Mais c'est pas déjà le cas? Ah non j'avais mis ça. Infliger des dégâts avec Antea, recharge le fusil, franchement, ça peut être bien. Ah mais ça c'était quoi? Élimine un ennemi avec Red, restaure 10% de PV. Élimine un ennemi avec Antea, restaure 10%. Ouais, 10 points, ça a l'air d'être pas trop beaucoup en vrai. J'ai pas trop vu la diff. Mais il me reste un point à mettre. Là je dois choisir, mais ici je peux prendre un des deux. Tire au fusil réussi, recharge machin. Moi je vais prendre ça. Même j'ai pas trop envie. J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Ok, repos. Oui. Non, ils dorment pas dans une tente. Je peux me mettre dans un autre ski, le pire le point. Bah non, faut que je choisisse à chaque fois. Et là, j'ai déjà choisi des chemins qui me plaisaient bien. Bref. Parce que là, quand je vais dans l'évolution, bah par exemple, là, je dois prendre celui-là ou celui-là, et là, je dois prendre celui-là ou celui-là. 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 Les bleus, je peux pas parce qu'il me faut des points bleus. Et pareil ici, je dois prendre celui-là ou celui-là. Ah, ici, par contre, attendez. En frais. Merde. Je sais plus ce que j'ai pris comme deuxième point, où ça doit être ça. Ici j'ai tout choisi, c'est ici que je peux prendre un truc, mais... Élimine un ennemi avec une attaque lourde raid réduit... Bon, ça va être ça. Ça va plutôt être ça. Et là j'ai plus de trucs. Ouais, bah j'ai tout pris, dis donc, j'ai choisi le chemin à chaque fois. Je peux le modifier, mais bon là j'avais un point à mettre, autant le mettre quelque part, et je commence à plus avoir de place pour les points rouges, donc les points de... les attaques de raid. Enfin plus ou moins les attaques de raid. Et il me faut maintenant pour les points bleus. Carte. Mais il me dit encore qu'il y a un point d'interrogation pile poil où je suis. Ah non, juste à côté. Il faut faire ça. Site rituel. Point d'intérêt. On va essayer d'aller à ce point d'intérêt. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais en vrai, on a du boulot. Par contre, je crois que le guidage est très bien fait. Si je suis vraiment le point d'interrogation, ça m'y mènera. Ça me met pas où il est précisément, ça me met où est le chemin que je dois suivre. Et c'est une nuance assez intéressante. Vous voyez, il se replace à chaque fois. C'est trop bien foutu, ça. Le guidage est assez assez quali. Un GPS, tout à faire. Et après on fera la mission. Mais bon. Voilà, force donne large my attribute. J'aurais peut-être
j'aurais peut-être le niveau pour faire certains trucs que j'ai croisés en arrivant dans cette zone qui était vraiment trop chaud. Ah. Allez, on y va. Allez. Pourquoi j'y vais? Parce que c'est pas là que je dois aller. Si. Non. J'irai plus tard. Non, je veux pas. Je peux pas. Ouais, la grotte sous une cascade. Il y a quelque chose ici. Et qui te fait dire ça parce que c'est une grotte sous une cascade? Évidemment, mec, t'es dans un jeu vidéo. Oula. Je vais faire ça déjà. Oh ah. Mince, je fais le changement parfait, mais ça marche pas, faut que je continue à taper peut-être. J'ai fixe. Merde, j'ai encore fait X. C'est X, c'est très proche. Crève, enfoiré. Ok. Hein? Ah, c'est ici. J'étais un petit peu déçu que ce soit tout ça pour un champignon, quoi. Je l'aurais pris un petit peu mal, j'avoue. La clé, d'accord. Il faut qu'on trouve une clé pour ouvrir ça. Les doigts dans le nez. Mais des bonnes manières, alors. Ça pour un truc dont j'ai pas la clé. Queen. La carte, montre-moi la carte s'il te plaît. Bon. M'en aller je crois. Hein. Cette zone me déçoit énormément. Je vais suivre le point jaune. Ça m'a saoulé. Chaque fois que je vais quelque part, c'est pas bon. Bon, je pourrais repasser par là du coup. J'arrive pas à avancer. Il me manque trop de choses. Faut que je la pêche là. Faut faire un rituel. Site rituel, mettre. Ok. Je l'avais essayé celui-là, c'était trop chaud pour moi, je crois. Peut-être le retenter, mais sans être sûr. Peut-être sauvegarder avant. Voilà. Ah, il est minuit. Je vais voter nez. Faut que je fasse quoi comme site? Comme truc? Et des reborn machin? Oh, je sais plus. C'était ça, je crois. Réveillez-vous. Comment on sait? Je peux t'aider. Regarde. Ah, c'est peut-être bien pour moi, en fait. Il y en a qu'un. Ils ne retiendront jamais la leçon. Non, c'est pas ça que je vais faire. Attention, une possession spectrale. Bien raté. Non, 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 non. Pourquoi il me dit contrôle, ça permet... Ah ouais. Oh, j'ai tellement raté.
Ah ouais, d'accord. Ok, ça se passe très mal. Je suis là, Red. Tiens, prends-toi ça, toi. Je fais pas très mal, hein. C'est pas dingus. Vraiment. Crève, enfoiré. Oh non, pas celui-là, je l'aime pas du tout. Oh, j'étais trop loin. Génial. C'est pas fini. Encore un. Shit. Non. Oh, putain, j'ai pas du tout le temps, la vraiment. Continue. J'essaie de lui faire boire une popo depuis 5 minutes, mais j'y arrive pas. F. Je peux pas. Y'a aucun moyen. Ah, mais je lui fais rien du tout. Hein. Non, c'est pas ça que je vais faire. Tu perds ton temps sur celui-là. Bah je fais ce que je peux, il a tellement de vie lui. Attention. Arrête de hurler dessus, je te supplie. Ça me stresse énormément. Coco. Coucou, c'est qui? J'ai réussi. Ne meurs pas. Oh, je t'en supplie. C'est trop, mais c'est trop, mais chaque combat ça va être ça. C'est trop, hein. Salut Joe. Nice, j'ai pris une popo. Allez, je me casse. Infesté de feux follets. T'as pas arrêté grand chose, petit Jo. Moi qui galère.
c'est quoi ça encore? Faut que je fasse quoi en fait? Bon. D'accord. Putain, je me trompe de touche entre F et E. Il t'en met full popo au début et à la fin. Ah ouais, ça je savais pas. De toute façon, j'ai pas de level. Bon, bah je peux pas faire le voyage parce que je vois pas où c'est. C'est un peu chiant de progresser là, j'avoue. C'est pas passionnant. T'as senti ça? C'est tout proche. T'es en train de carrer avec un peu sur Remnant 2. Ouais. Remnant, je comprends. Banishers, moi, je pensais pas que ça allait être un jeu aussi exigeant, j'avoue. Parce que je me suis pas du tout mis en difficile, je me suis mis en normal. Oh. Bon bah je peux pas avancer. Ah, je peux là. Ok, ça va. Ils sont plus pas level que le... Exclamation jaune. Mais ça dépend en fait. Ça dépend, mais oui, bah y'en a qui sont level 11 et ils me décrètent quand même. En fait. Donc bon... Ça commence à me saouler. On y va. Alors qu'on a pris des points d'attribut et tout en plus. Ça va pas marcher, je vais pas pouvoir. Qui sait ce qui rôde dans ce bourbier? Laisse-moi nous guider. Bah je peux pas guider en fait, c'est un cul-de-sac. Faudra encore trouver un autre chemin. Je vois pas ce que je dois faire là tout de suite. On y voit comme à travers une pelle ici. Il y a bien trop de brouillard pour mes yeux. Suis-moi. Ah non, mais il peut pas te suivre en fait. Coco. Donc bah je sais pas quoi faire. Salut Kuon. Pouvoir de grappin pour monter. Non, je pense pas qu'il y en aura. On peut même pas sauter dans le jeu. Alors un grappin, j'avoue que je l'imagine pas trop. Je sais pas. Ça va, petit Kion? Mais je vois pas. Je vois pas. Je vois pas là comment je passe à la suite. Je n'y arrive pas. C'est par là la suite. Mais en fait, bah. Ah oui, non, mais le jeu il m'indique d'aller là par là, mais ça me sert à rien. Ah si, peut-être que. Ah non. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Faut que je me TP tout simplement. Non! Hop là. Et ben, on va essayer de s'en aller. Par contre, je suis pas si petit. Si, t'as un tout petit pseudo. Oh, je peux pas m'en aller à chaque fois qu'il y a ça. Mais je veux pas perdre du temps. Oh, ça a servi tellement à rien. Ah non, c'est bon, ça l'a tué quand même. Tu veux pas que je t'aide? Mmh.
Allez, dégage. Laissez-moi partir. Pas du tout par là, Zaza. Ah si, peut-être. Salut, Louis. Donne large, my pseudo. Ouais, c'est bien. Toujours aussi bien, le jeu. J'avoue que là, au niveau de la difficulté, c'est... J'ai beau avoir mis en normal, je trouve que c'est trop chiant. Donc, oui, il dit cool, mais j'aimerais vraiment... Enfin, je veux pas un Souls, quoi. Vraiment, j'aime pas ça. Rien que le fait d'aller au point de TP, ça me fait galérer. Ah, c'est par là, putain. Ah non, c'est encore des trucs que je peux pas faire, c'est vrai. On passe pas par là. Ensuite c'est par là, donc c'est d'où je viens en fait, j'ai pas fait attention. Ah, je peux changer en cours, mais après c'est le mode narratif. Bon, je vais le montrer parce qu'on me... Ah oui non, il y a facile, ok d'accord. J'étais sûre qu'il y avait pas d'autres modes de... J'étais sûre qu'il y avait... Que c'était direct le mode narratif. Bah je pense que je changerai en facile, hein. Parce que là, ça me fatigue. Mais en fait, rien que le fait de me retrouver mon chemin, ça me saoule. On est dans un jeu où on peut pas sauter. Donc c'est très frustrant. Le moindre petit brin d'herbe vous empêche d'avancer. Un lurk, ça marche. Bon lurk, petit Louis, j'espère que ça va. Ah, j'étais sûre qu'il y avait 4 niveaux de difficulté, pas 5. Pardon, my bad. Mais on peut changer en cours de jeu, ouais. Non, je veux m'en aller, s'il te plaît. Oh, c'est chiant ça aussi. Même quand tu vas à un point de TP pour être tranquille, tu peux pas y aller. Oh, c'est un cadeau. Les mobs qui réapparaissent sous le coup. Allez, laissez-moi m'en aller. Le Cerber fait pas son taf dans le jeu. Ah bah c'est... Là c'est free access, hein, y'a pas de soucis. Y'a pas besoin de billets d'entrée pour revenir dans le monde des vivants. En vrai, pourquoi craindre la mort dans ces conditions ? Ça va, Vendels. Je parle un peu fort parce que le micro il est loin. Enfin, il est pas si loin en vrai. Juste parle fort. D'accord. D'accord. Allez. Je peux pas me téléporter. Ah non, les R c'est... Ah oui, je peux me téléporter à celui-là. Voilà. Ah, je vais avancer dans l'histoire. Tu es juste au bout de ta vie? Non, bah non.
m'en faut un peu plus pour être au bout de ma vie quand même. Non mais tout va bien, Brimbois. Bah alors, Bibou. Oh. Ce spectre a repéré un cadavre et veut s'en emparer. Que dalle. Attends, moi je vais aller là, mais après je vais aller où? Je me suis éloignée de fou en fait, je me rends compte. J'étais là tout à l'heure. Comment j'ai pu m'éloigner autant pour m'en trouver là-haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était le vide. C'est vrai, j'ai fait le vide. On va aller au point d'intérêt. J'avais oublié. Tu comprends le Brimbois? Oui, ça va. Tu restes très compréhensible. Ah oui, il y avait un point d'intérêt. Mais il faudrait que je descende. Mais comment descendre? Est-ce que je peux descendre par là? Non. Mais oui, c'est vrai, fallait que je visite les Hearths, vous vous souvenez, au début. Il y a un peu longtemps. M'en fous. C'est pas par là que je dois aller. Je pensais qu'il allait me taper. De haut. Oh, c'est sûr. Oh non, mais il est super loin. Il est super loin. C'est encore un truc qui campe de ouf quelque part en hauteur. Voilà. Je suis trompé. Tiens, goûte-moi ça. Bye bye. Et tu es bébé. On peut pas fuir les combats non plus. J'aime pas ça. C'est ma technique de survie numéro 1. Passe pas par là. Il est où le point d'interrogation? Faut que j'y aille. Par où? Oh, ça y est, je suis descendue. Incroyable. Ouais. Ça fait encore hyper dur. Vas-y, on teste. Super, j'ai une popo. Tu vois ces membres? Et super chaud. C'est le bon endroit pour révéler ceux qui pourraient s'attarder dans le coin. Maman, elle a dit quoi? On va dire que c'est... J'ai pas ce qu'il faut, il me manque des bougies de rivage. Il y en a peut-être ici. Des bougies de rivage. Hop, bougies de rivage, bim, dans ta gueule. Ah mais faut pas que je me trompe, ça sent le fléau, tu penses? Attends, enquêter. Je pouvais pas inspecter? Alors on va dire fléau. Je peux faire qu'un rituel, hein. Fléau. Je vous invoque maintenant! Non, c'est foiré. Je n'aurais pas utilisé ce rituel, moi. Mais dis-moi lequel, connasse! Ça sur une joie sur trois! Hello, Marco! Je ne comprends pas comment savoir ça. Ça me rend ouf. Révélez-vous! Comment je suis censée deviner ce qu'il faut comme rituel? Je vous promets, ça me rend ouf.
je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Oh, ta gueule. Attention, j'en vois un autre. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Raté. Fais gaffe. C'est vrai. C'est vrai, fais gaffe. Ne le laisse pas t'écraser. Bon conseil ça. Merci Bébou. Ma Bébou et c'est tout. Elle est trop mamie. Oh c'était trop pourri. J'esquive pendant 10 minutes. Voilà, voilà. Ah, je tiendrai plus longtemps. Quand il est orange, faut que je tape avec elle, et quand il est dans une autre couleur, faut que je tape avec lui, peut-être. Je sais pas, je connais pas, je comprends pas tout. Il se fout. Ah, là-bas. Esquive. Esquive. J'ai esquivé en tuant. C'est l'ultime esquive. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Maki. Oui, Maki. Oh, ça, ça va. Elle, mais... Cette zone est plus simple en fait. C'est la zone de mon level ça. Martien. C'est complètement une zone plus simple pour moi ici. Mais je pensais pas parce qu'elle est plus loin. Mais en fait si. Mais en fait c'est compliqué. Bon je fouillais le bateau. Comme ça je trouve des petits bouts de ficelle et des chewing-gums usagés. Je vais mettre dans ma collection. Oh, c'est un os. Un os de baleine. Baleine, ça prend pas le bateau. C'est vrai que oui, j'aime bien les conseils d'Antea en plein combat. Ne te fais pas écraser. Ne meurs pas. Attention. Merci Antea, merci. Tu es une génite. Pourquoi Antea elle est... Bah non, elle est là. Ah, elle est en train de faire un truc. D'accord, oui, d'accord. Elle est en train de se promener, alors je pouvais pas lui jouer. Ah, un bateau de pêche. C'est plus plausible qu'un galion. C'est toi plausible. Oh. Voilà 3 jours qu'on suit la baleine noire. Elle est futée. Pour sûr, on la perd et on la retrouve. 16 mai, on attrape la baleine noire. Elle est accrochée à la coque. Son œil ténébreux m'observe, noir comme un colosse blessé, empli de haine. L'écume est rouge autour de la poupe. Et on aura de l'huile pour l'hiver. Vous aurez que dalle, vous allez mourir. Quelle aventure. Ça avait l'air bien. Ça avait l'air bien, c'est sûrement tous morts. Parfois. Pour qu'ils laissent la baleine ici. Et que le bateau soit ici. Ils sont morts, mec. Quelle aventure de gens morts. Ça, je sais toujours pas quoi faire. Ça saoule, vas-y, ça saoule. Je me sens exclu constamment du jeu. Vas-y, ça saoule. Très bien. Et ici, y a quoi hein? Ah, y a rien. Ah, je vais aller là. Trop type dans tes attaques, t'appuies dessus sans te faire toucher. C'est le secret. J'aime bien ça. Ce lierre est bien enraciné dans l'invisible. Ouais, et donc impossible à déraciner. Mais comment, explique-moi le jeu, je veux déraciner moi. Là, il y a un point là.
Oui, il y a un point. Ça se trouve, il y a des points à l'extérieur, faut leur tirer dessus. Mais j'étais essayé de leur tirer dessus, ça fait rien du tout. Quoi? Pourquoi tu fais apparaître des trucs? Tiens, 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 tiens. Punaise, je suis exclu du jeu tout le temps, genre. Bon bah on verra plus tard. Parce que je lui veux pas. T'as pas le pouvoir de la... T'as pas le pouvoir main verte. Mais le pouvoir main verte c'était lié à ça, mais de toute façon il y a tout qui me gêne, faudra que j'en tourne ici donc bon. Un peu de glyphosate. Je sais pas. Hein. T'as vu tous les morts de la région? T'en as pas confiance. Bon, bah super, je vais prendre des bougies de rivage et puis je vais m'en aller. Si j'ai pas le droit au fun, si j'ai pas le droit au bonheur. Je m'en vais à la mission principale. C'est peut-être là que je vais débloquer des pouvoirs. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Et cette fois, je vais pas dans le vide. Déjà parce que c'est pas l'endroit le plus intéressant. En matière de choses qu'on peut y trouver, vu que c'est littéralement le vide. Mais ensuite, parce qu'en plus j'ai bien galéré, et enfin parce que ça m'a foutu un endroit où je voulais pas du tout aller. Et 4 yo, merde. C'est plus important ça. Ah ouais, c'est vrai, je devais aller là. Mais remerde. Bon, je vais regarder avec Antea. Antea Duarte. Je fais des trucs Antea. Je peux aller par là. Non mais c'est un tout petit flaque, s'il te plaît. Bah comment je fais? Ah si, j'ai vu. Tiens. C'est Sam. On a un deuxième à péter. Attends, je vais vérifier si on voit d'ici ou pas. Non. Je me casse. Mais oui, j'ai besoin de plus de pouvoir. Tu penses qu'il faut que je blâme en max? Franchement, si ça peut me permettre d'arrêter d'être bloqué dans le jeu, moi je blâme tout. Hein. Même les bébés dans leur berceau. Hein. Non, c'est méchant. Pardon. J'arrête. C'est un peu vrai quand même. Mais j'arrête. Ok, c'est bon, on est passé. En fait, j'avais juste à faire ça. Vous vous rendez compte que j'ai été dans le vide pour rien? Enfin si, pour avoir 3 points pour Enlarge My Attribute quand même. Attends. Je vais y arriver. Ça fait quoi ce que j'ai fait? Je sais pas, mais ça brillait. J'ai tapé. Ah, j'ai ouvert la porte. On ne mange pas l'essence des bébés. Je vais pas parler de super sans plomb, hein, tu sais. Parler juste de eux, quoi. Ok, sécrétion, super, viens sécréter. Pierre de sorcière. Mais ça me sert à quoi ces pierres de sorcière? Les sorcières, elles m'ont encore pas donné beaucoup d'infos, elles. Hein. Ça va mal se mettre. C'est hyper perso, une sorcière. Le village est truffé de chasse fantômes. Ah ouais. Quelque chose leur fait peur. Laisse. Bah les fantômes. Ne va pas causer d'ennui. Ah, j'avais tout pété, moi. J'ai tué tout le monde, je crois. Je suis un peu tendu. Oh, le hameau des herses. Ah, mais c'est ça, les herses. Le hameau des herses. Il y a quelqu'un? Quelqu'un sacrifié? J'aurais grand besoin de quelques âmes fraîches. Oh, des coffres. Oh là là.
frapper. Voyez, vous êtes pire que moi finalement. Et qui ? Quelqu'un ? Je suis là juste pour discuter. Sur les chiens-points. Mais ouais, ça a été dur tout à l'heure. Là, je m'en remets pas, là. Je suis contrariée. Eh, je connais ça. Je peux aller là. Mais si, je peux aller. Je connais, je peux y aller. Allez, mais si, le jeu, je peux y aller. Mais je passe. Je passe. Oh, ce village nul. Là, je sens bien là. Ma clé. Il faut qu'on trouve une clé pour ouvrir ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le jeu, il est que vexant. Bon, là, c'est bon. Même pas fermer la clé. J'ai pas osé le dire, là. Village comme ça pour Halloween, il y a de quoi faire. Tu vas dans un village français, la nuit. Y'a de quoi faire, hein. Mon nom est Fairfax Haskell. Et bien que cela attirera le courroux des démons sur mon âme, je prie pour ces langues et ces cœurs qui brûlent dans les flammes de l'enfer, afin qu'ils soient libérés de leur fureur et qu'ils... Mes amis, que notre réussite vous donne du courage. Contraint à l'exil. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réussite. Diable, oh, le village, nous voici ici, rassemblés devant le Seigneur. Nous voici tous rassemblés. Nous sommes réunis, nous prions, nous triomphons. Et la protection sacrée à laquelle œuvre mon fils sous ma direction nous délivrera du mal. Car j'ai passé des heures à votre service, à étudier les nombreux textes et ouvrages de mes pères afin d'assurer la sécurité de notre église. Enfin, pas vraiment. Fairfax Haskell, l'homme pour qui le terme pompeux a été inventé. Elle est inachevée, certes. Ah, mais il est connu, le conte. Et ouverte aux quatre vents, oui. Mais elle rayonne déjà de notre foi. Ils ont pas l'air bien, les gars. À chaque instant, notre espoir pour un avenir meilleur. Macrace. Ah ouais, mais c'est Fairfax, oui, tu me rappelles. Je vous croyais... Quel heureux présage. Quelle excellente nouvelle. Je suis pas un présage, je suis un raid. Quelle bénédiction. Vous tombez absolument à pic. Je vous croyais mort, monsieur. Bah oui. Mort. C'est ce qu'on a vu au tout début. Il fait un peu de démonologie, je crois. Ne prenez pas ces choses à la légère. Oui, la colère il était dans la même pièce que Peau dure. Il s'attaque à notre porte de ses griffes. C'est une métaphore, bien sûr. Oh, mais je suis vivant. Je vous le promets. Je me demande ce qu'il fait là, du coup. Mes amis, je finirai ce sermon une autre fois. Le combat contre les légions du malin continue. Et Monsieur Macrace et moi avons... Bon sacrifice à blâmer. Il a les crocs, Catholic. Allez, une mission. Oh, j'ai trop hâte. Merci, l'ami. Ah, c'est son prénom. Mais j'ai toujours cru quand on disait merci, l'ami. Admirez c'est, ce miracle, c'est, monsieur avec un L apostrophe. C'est pas un miracle, c'est un bâtiment.
Et même nous pas avons fini. Trouvé le courage d'ériger cet humble monument à la résistance. On va tuer des gens enfin. Mais je pense qu'on aura toute une quête à faire avant. Bien plus grave à aborder. Car nous autres, hommes de savoir, savons que le mal n'a pas été éradiqué. Loin de là. Qu'est-ce qui te fait dire oui, ça à tous les fantômes fait. Qu'il y a dehors ? Oui, oui, pardonnez oui, la rudesse oui. de mon accueil. Vous êtes seul. Dois-je en déduire que Madame Duarte n'est plus de ce monde ? Elle connaissait les risques. Oh, c'est quoi cette réponse ? Ça dit moi. Je préfère pas en parler. Ouais, franchement, j'ai pas envie d'en parler avec lui. Je préfère ne pas en parler. Heureux est l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Toutes mes condoléances. Le deuil d'un voyage long et douloureux. Mais vous ne le faites pas seul. Je vous le promets. Oh, je sais. Mmh. Je sais. Comment ça ? Le deuil, avec vous ne le faites temps, pas seul. Dieu a soigné seul. Mes blessures. Au contraire, tu es souvent tout seul face à ton deuil. C'est tout l'inverse, non ? Bon. Je regrette de devoir vous demander votre ah, c'est aide. C'est une manière de dire qu'elle était toujours là, si quoi. Pour vous. Et de manière aussi précipitée. Ce qui est très vrai, du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Ça doit être sérieux si vous me demandez de l'aide. Depuis votre défaite à l'église, le diable, enhardi et galvanisé, ne fait que se renforcer. Il s'immisce parmi mes fidèles, se délectant de la souffrance que la maladie nous inflige. Il nous monte les uns contre les autres. La méfiance divise une fois de plus. D'accord, il y a un truc concret dans tout ça, tout ça s'il te plaît. Pour affaiblir mes ouailles et les éloigner. Ah, ils considèrent que c'est le diable qui Dieu. Fait qu'ils sont moins fidèles. J'ai des doutes. Quand la maladie frappe, c'est un médecin qu'il vous faut. Et je ne suis pas médecin. Nous n'allons pas traiter les symptômes, mais la racine du mal. Le l'agent démon. Du démon est parmi nous. Une sorcière. Moi, j'en étais sûr. Sorcier. J'ai dit, il va parler d'une femme qui sait lire. Trouvez le coupable. Nous avons en commun une certaine expertise. Mais je suis un homme d'importance, tandis que vous êtes bien plus habitué au travail de terrain. Allez, rencontrez mes fidèles. Approchez-les. Découvrez qui est au service du démon. Que nous puissions expurger cette odieuse corruption. Ah, c'est, franchement, j'ai une petite idée sur l'origine du démon, mais là, je fais un peu une déduction au faciès. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une sorcière est à l'œuvre ici ? Cette fois, demain, bisous à Monsieur, tous. Ça marche, hémoglobine, de des bisous. D'esprit. Je sais lire les signes. Lorsqu'une maladie prétendument mystérieuse touche la moitié des miens aussi subitement, ça ne peut être que l'œuvre du malin. Probablement par l'un de ses serviteurs. Ah, voyez-vous, ça va être cool. J'ai on va enquêter sur la maladie. Que l'eau du puits avait été contaminée. Il n'y a pas d'étrangers ici, mis à part vous. Personne n'a fui. La coupable, ou le coupable après tout, est toujours dans le village. Il veut vraiment que ça soit une meuf. Plus le mal rôde, ça me fait rire. Plus il se répand. Mais cette sorcière, ou ce sorcier bien sûr, ne s'en tirera pas bien longtemps. Comme les autres. Il y a quelques pardon, années, un peu. Vous le savez peut-être, je me suis fait un nom en exécutant une terrible sorcière. Hélas, je dois recommencer. Quel petit filou tube. À propos de la maladie. Cette maladie. Oh, la musique. Dites-moi un peu plus. Elle est forte. À mon arrivée au Hex, je me suis immédiatement envoyé... Merci beaucoup, mes petits. À l'abri de la malédiction, nous nous sentions en sécurité. Ça n'a duré qu'un temps. Merci beaucoup pour la bocado. L'un des nôtres a empoisonné le puits, notre seule source d'eau. Otsobelta. C'est de dire à dire. C'est rien. C'est l'ox la meilleure. C'est vrai. Merci beaucoup. Vous avez raison. Merci beaucoup, monsieur. Si ce n'est merci que nous beaucoup, sommes beaucoup. Depuis des mois manifestement attendez, je me tais, mais par merci. Une terrible malédiction. Pour la peine. D'une manière ou d'une autre. Ouais, pourquoi pas. Le diable a trouvé un serviteur parmi nous. Et qui j'ai du mal à lire. L'abominable péché, cet espion du malin nous prépare. Merci, maître Key. C'est très, 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 très gentil. En plus, là, je me cache aussi, puisque j'arrête pas de faire ça, parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai
J'ai pas envie qu'Infernal ils disent Eve, t'aurais pas envie d'aller aux toilettes? Oui. Bon, j'ai pas. Franchement, j'écoutais pas. Voilà. Je ne suis pas chasseur de sorcières. Mon travail, c'est de m'occuper des morts errants. Moyennant finance, oui. Mais tu vas aller coucher, petit Olouis. J'ai oublié l'existence de ces fauteurs de troubles. Il y a quelques années, j'ai dû les purger de cette communauté. Pourquoi aurait-elle maudit votre colonie? Pourquoi aurait-elle maudit votre colonie? Qui voudrait aller... Oui, bah j'y suis allée, Catholise. J'ai bu après Certaines une gourde entre temps. Personne ne cherche qu'à semer le chaos, monsieur Macris. Par la grâce et la charité du Seigneur, elle a été démasquée. Non, mais ça va, ça va. Et j'ai eu l'honneur de prononcer la sentence et de l'envoyer en enfer, d'où elle venait. Elle arborait un masque impeccable, comme si elle était inoffensive. Mais un homme de foi et d'esprit ne s'y laisserait pas tromper. Ah, t'es jugé. Si je puis me permettre, pour un paradis puritain, vous n'avez pas l'air de manquer de sorcières. Merci Otso Belza, je pense que tu nommes très mal ton pseudo, merci beaucoup. Mais le diable a un serviteur parmi nous. T'as un bon bossement, Prime. Trouvez-moi la sorcière, monsieur Macrais. Ramenez Dieu en ce Mais je vois que t'es sub déjà. Je ne suis pas un serviteur, VL1, un bébé. Le seigneur a l'air prêt à tout. Alors je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Pardon, j'arrivais pas à parler. Merci beaucoup, Louis. Et merci beaucoup, Sobelta. J'espère que je dis bien. Hein. Merci beaucoup pour ces avocados. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de la hype. Mais pourquoi il se passait rien? Pourquoi tu me voyais ça? Mais oui, c'est pour ça. Merci. Merci beaucoup, Catholine, pour les 5 avocados. Et merci à Sobelta, qui vient juste de follow. Merci beaucoup. Proposez pas de réabonner avec le Prime. Ah ouais, je sais pas trop pourquoi ça. Merci beaucoup. Mais... Mais merci, Kyle. Mais c'est beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes? J'ai toujours été influençable. Mais ouais, merci beaucoup. Mais je ne sais quoi dire. Merci, merci. Attendez, je regarde quand même qu'il y a eu. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci, Papy Gaja, pour le follow. Il y a eu Mecky Freeze. Bodyker. Foxy. Foxy, que j'avais vu il y a longtemps. Altrix. Carbars. Oh, cool que tu sois tombé sur Carbars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tsubelta. Merci beaucoup. Merci, Mistriki. Et merci. Attendez, je. Non mais... Mais qu'est-ce passe-t-il? À cause d'un seul subgift? On prend la relève vite! Non mais c'est bon, ça va, ça va. On parle de pipi. C'est pour pas que j'aille aux toilettes. Salut Mecky Freeze. Et merci beaucoup pour l'avocat de Mecky Freeze. Merci Mario Link. Merci beaucoup. Il y a ce Pink Panther dans le tas. Merci, réveillé par la hype. Mais oui, qu'est pas ça. En plus, on est sur un jeu très doux, très... Enfin, très doux. Non, pas du tout doux. Tranquille. Enfin... Avec moi qui râle un peu au milieu, mais c'est tout. C'est adorable. Ah, il y a le plaid aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Je ne sais quoi vous dire à part ça. C'était pour m'empêcher d'aller aux toilettes. Du coup, merci Mestriki. Merci Olwi. Merci Otso Belta. Merci Catholique, merci Gail, merci Mario Link, merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais pas le couteau sur la gorge. J'ai gorge. C'est tricky. Tu n'arrêtes pas, tu exprimes ton mécontentement. Je partage. Je verbalise. Je verbalise beaucoup, je m'exprime. Mais ouais, mais. Et merci vraiment de fait de. Enfin, follow et abonner. J'espère que vous regrettez pas. C'est toujours ma crainte quand je me dis que quelqu'un me connaît pas trop et il sub. Et en plus, il sub tout de suite, c'est plein de gens. Merci beaucoup. C'est adorable, je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. À part plein de fois merci, et je vais dire au revoir à lui.
Je vous laisse, monsieur le gouverneur. Parce que meneur... Descendez les escaliers dehors. En plus, qui parle comme ça? Pendant que vous serez des nôtres, vous pourrez occuper la première maison, sur la gauche. Attends, il parle comment, comme ça? C'est super désagréable, en vrai. Il était comme ça. Il était même pas comme ça. Il était comme ça, le poing contre le coude. Ah, oh, c'est trop désagréable. Oh, ça... Et franchement, ça fait... Ça contracte de fou ici et ici. Salut le plaid. Je vais cut la VOD. On va en refaire une après. Bisous la VOD du coup, parce que c'était une fin de VOD sonore. Des bisous.